à tous et très content de vous retrouver pour la nouvelle vidéo d'analyse du marché des cryptos par CoinHouse. J'espère que vous allez bien. Enfin déconfiné, mais ça ne nous empêche pas de continuer donc notre analyse du marché. Cette semaine, on va voir Bitcoin, Ethereum et Chainlink. Je vous rappelle, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous avez un lien en description sous cette vidéo. On commence avec une vue du marché au global. Donc, regardez sur 7 jours, c'est pas très représentatif pour Bitcoin. On affiche moins 1,6%. Mais parce que Bitcoin, c'est la semaine dernière, s'est fortement apprécié. Puis il a fortement corrigé dans la foulée, dans la nuit de samedi à dimanche. Au contraire, regardez sur les altcoins, là on a des baisses plus prononcées. Pourquoi ? Parce que Bitcoin dominait largement le marché la semaine dernière et continuait à s'apprécier. Sûrement l'effet du halving, qui je rappelle a eu lieu hier le 11 mai. Donc le halving de Bitcoin s'est produit. Et donc il montait et les altcoins étaient à la traîne, faisaient du sideways ou alors montaient beaucoup plus faiblement. Et par contre, lorsque Bitcoin a corrigé dans le week-end, les altcoins ont également corrigé avec lui. Donc on a affaire finalement à des performances plus dégradées sur les altcoins. Regardez, Ethereum en baisse de plus de 8%, on a du moins 10 sur Ripple, également sur Litecoin, du moins 12 sur EOS. Et c'est un petit peu pareil avec quelques exceptions dans le top 20. Certaines altcoins qui saignent un petit peu moins. Mais globalement, hein, sur un ensemble de 2 semaines, c'est quand même Bitcoin qui a dominé ce marché. Et maintenant, on va voir comment ça tourne juste après le halving. Donc on commence avec l'analyse proprement dite. Donc c'est un petit peu compliqué, on va voir ensemble hein, là ce qui se passe. Très difficile d'anticiper le mouvement à venir. Donc j'enregistre cette vidéo dans l'après-midi du 12 mai. On a un Bitcoin qui est entre 8700 et 8800$. Donc je vous ai fait apparaître des zones d'intérêt vendeuses et également des zones de support potentiel. On va voir tout ça ensemble. Donc première chose, hein, la semaine dernière je vous avais dit cette zone d'intérêt vendeuse juste au-dessus des 10 000, autour des 10 000 en tout cas, et je l'avais étendu jusqu'à 10 300, et bien c'est pas mal, hein. On peut voir qu'elle a bien fait son effet et qu'on a fortement rejeté pour l'instant. Vous voyez cette oblique baissière, je vous l'avais tracée la semaine dernière, je vous avais dit, elle existe, le marché la voit, mais personnellement je suis jamais très fan des obliques, il faut surtout pas baser une analyse simplement sur ces obliques. La preuve, c'est qu'on a quand même fait une fausse cassure ici de cette oblique et finalement, on a vite rejeté quand on était au contact des 10 000. Ça a sûrement alimenté un peu de FOMO, tout ça, juste avant le halving. Donc, pourquoi cette zone était très intéressante à repérer? Je vous mets l'analyse là un petit peu plus détaillée. Regardez d'abord, n'oubliez pas ces retracements Fibonacci qui sont sur le marché des cryptos quand même des niveaux qui fonctionnent globalement bien, qui réagissent. Je vous rappelle ici, retracement Fibonacci depuis la hausse, depuis le top de 2019, hein, donc quasiment le top à 14 000, et toute cette longue baisse, puisque nos analyses sur CoinHouse concernent plutôt une vue swing moyen terme, donc on a toute cette baisse depuis les 14K jusqu'à la forte baisse, donc la baisse finale de début mars 2020, qui avait méché autour des 4 000$, on va dire. Eh bien, toute cette remontée ici qui s'est fait quasiment en un seul mouvement, en unité de temps journalière comme on est ici, eh bien, on a retracé ici 62% quasiment donc de la baisse depuis les 14 000$. Et souvent, c'est un niveau qui fait réagir sur le Bitcoin et sur les cryptos. Et là, une fois encore, pour l'instant, il fait réagir. Donc, c'était une zone vraiment là où on avait conseillé de prendre des profits. Maintenant, cette semaine, il y a deux cas de figure. Il vaut mieux attendre là parce que suite à ce mouvement et cette temporisation ici, le marché est attentiste sur le prochain mouvement. On va pas dire de vendre tout maintenant, on reste toujours dans une optique de profit. Pour ceux qui voudraient pas prendre de risques, il y a une chose à faire. Si jamais ici on voit une reprise temporaire du marché, donc un rebond, mais que finalement ce rebond échoue et qu'on repart fortement à la baisse, alors là ce sera davantage effectivement un signal de vente et il vaudra mieux être hors du marché, en stablecoin, comme vous voulez, en attendant que le cours retrace et aille, par exemple, sur ces différentes zones de support que j'ai tracées ici, notamment ces deux-là qui sont en vert. Donc, pourquoi ces zones existent? C'est encore une fois ici sur l'analyse moi, sur laquelle je me base avant tout des niveaux Fibonacci et également des niveaux chartistes. Il y a donc cette zone qui peut être une zone de support intermédiaire, mais qui pourrait tenir globalement si le marché est bien bullish
Le cours pourrait revenir sur cette zone et tout de suite après aller refaire des plus hauts. C'est une zone comprise entre 7 700 et 8 000 $, grosso modo. Et finalement, c'est le retracement Fibonacci, c'est 50% de retracement de toute la hausse impulsive qu'on a eue ici, depuis le support dynamique ici des 6 500 $. Donc on pourrait voir le cours qui fait un mouvement en 3, c'est-à-dire une première baisse ici, une temporisation et une nouvelle baisse, aller donc dans cette zone, et ici on cherchera des achats. Attention, hein, si ça casse, eh bien on ira chercher le niveau suivant de support, qui est ici bien identifié, celui des 6 500, 6 600 $, donc clairement marqué ici, et par le passé également, à la fin d'année 2019, ça avait également tenu en tant que support. Donc ce sera une zone très intéressante. Par contre, inutile de vous dire que si on casse également ce support, alors là, ça va largement se dégrader pour Bitcoin et on n'a plus beaucoup de niveaux techniques pour nous tenir en dessous. Dernière chose que je voulais vous montrer avant de passer à l'Ether, c'est évidemment les bandes de Bollinger qui viennent compléter cette analyse. Actuellement, donc ça cadre un petit peu le prix, les bandes de Bollinger. Je vous invite, si vous ne savez pas trop, à rechercher hein, sur Internet pour comprendre comment fonctionne cet indicateur. Donc, vous voyez qu'ici, on a en rouge la médiane des bandes de Bollinger qui correspond à la moyenne mobile 20 dans l'unité de temps dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est également, pour l'instant, effectivement, cette moyenne mobile qui est en train de freiner la baisse du cours. Mais elle pourrait freiner que temporairement donc cette baisse. Et finalement, on pourrait chuter de nouveau. Et dans notre cas d'un achat swing de moyen terme, le cours pourrait à terme rechercher la borne basse des bandes de Bollinger qui, vous voyez, justement se trouve actuellement autour de 6 700 $. Donc ça pourrait être un scénario qui corroborerait avec la manière dont se comportent pour l'instant les bandes de Bollinger. Pour finir, vous voyez également, là on a du volume, le VPVR donc, qui regarde le volume traité sur un niveau de prix. On voit ici que le prix est allé chercher une première zone de volume ici. Hein, vous voyez, plus l'histogramme est par loin sur la gauche, plus ça veut dire qu'il y a de l'intérêt au niveau des volumes. Et vous voyez justement, juste au-dessus de cette zone support, on a un autre pic de volume bien identifié. Donc entre 6 600 et 7 000 $, grosso modo 6 800 $. Donc voilà pour les indicateurs. Donc pour le moment, on conseille donc d'attendre cette semaine. Si jamais on a un rebond, par exemple, qui peut revenir sur cette oblique, hein, maximum on va dire 9 200, 9 300 $, et que ce rebond échoue, alors à ce moment-là, on pourra penser à éventuellement des ventes. Par contre, si on vient rebondir durablement et qu'on vient retester donc cette zone ici, la zone d'intérêt vendeuse, et qu'on revient au contact des 10 000 $, le marché donc se réorientera de nouveau acheteur. Donc voilà, au niveau des oscillateurs, vous voyez que le RSI a bien baissé donc, ce week-end, mais qu'il reste au-dessus des 50. Donc on est dans une zone neutre, voire neutre haussier. Par contre, petite alarme supplémentaire quand même un petit peu sur le momentum MACD qui lui vient de croiser baissier. Donc on va voir si la baisse s'accélère dans les prochains jours. Je passe à Ethereum plus rapidement. Donc zone de retournement identifiée depuis plusieurs semaines sur Ethereum, grosso modo entre 205 et 220 $. Donc on était moins bullish hein, que Bitcoin ces derniers jours. Vous voyez qu'on l'a latéralisé pendant que Bitcoin faisait son dernier mouvement haussier. Donc cette zone de retournement, on a conseillé de prendre des profits sur Ethereum. Eh bien c'est la même chose, elle était identifiée parce que les zones de retracement Fibonacci depuis le top de 2019 à 360 $, eh bien, fonctionnait. Là, c'était 50% de retracement de toute cette baisse. Et là, vous voyez qu'Ethereum a corrigé. Maintenant, sur les zones de support potentielles que je vous ai mis sur Ethereum, eh bien, vous voyez également, ici, les 180 à 190 $ sont une zone de support qu'on a déjà trouvé sur Ethereum puisqu'on était moins monté par rapport à Bitcoin. Donc, cette semaine, il y a des achats qui se tendent sur Ethereum et c'est 50% de retracement du dernier mouvement impulsif haussier que vous voyez ici depuis les 150 $ jusqu'aux 225 $ sur Ethereum. Donc, voilà une zone d'achat potentielle. Par contre, si on casse les 180 $, ce scénario sera annulé et il faudra revendre. Et si on casse, eh bien, Ethereum retournera très vraisemblablement sur cette zone bien identifiée
identifier ici ce support des 150-160 $. Voilà ce que je peux vous dire sur Ethereum. Et on va finir avec Chainlink. Chainlink qui était très bullish en début d'année. Et vous voyez, en fait, si on dézoome, qu'on prend vraiment du recul, Chainlink évolue, je l'avais dit la dernière fois, dans un large range depuis son top de juin 2019. Large range compris entre le support des 1,50 $ et la résistance des 4,60 $. Donc, on a bien rebondi sur Chainlink après la forte baisse de la mi-mars. Et on voit pareil que lui, il était même plus bullish que Bitcoin puisqu'il avait franchi les 62% de retracement Fibonacci de toute cette baisse ici, de février à mars. Mais il l'a largement latéralisé maintenant depuis plus de 2 semaines. On voit que l'ultime niveau de retracement Fibonacci ici à 0,786, eh bien, rejette directement. On voit qu'il y a des mèches. Et maintenant, eh bien, il faut attendre sur Chainlink parce que il sera quand même plus ou moins corrélé à Bitcoin. Soit cette latéralisation est un mouvement de consolidation et on va repartir à la hausse, et là, dans ce cas-là, ce sera un signal acheteur parce qu'il y a peu de chances que la résistance des 4,60 $ tienne à nouveau et on se dirigera vers de nouveaux plus hauts sur Chainlink. Par contre, l'autre scénario, si on se met à baisser notamment sur Bitcoin, eh bien Chainlink lui aussi va retracer plus profondément. Et dans ce cas-là, je vous ai également donc fait, vous commencez à connaître le principe, le retracement Fibonacci de cette montée, et on voit que la zone d'intérêt commence autour des 50% de retracement Fibonacci de cette hausse, et donc elle commence à partir de 2,80 $ environ et peut s'étendre jusqu'à 2,50 $. Donc là, on peut avoir, pareil, des signaux d'achat swing moyen terme intéressants sur Chainlink pour aller jouer donc ce retracement, et puis finalement, une nouvelle impulsion haussière. Rien de spécial à signaler sur les indicateurs, on voit que sur le momentum MACD, on a croisé baissier depuis un moment là sur Chainlink, mais qu'on n'a pas ça latéralise, donc on n'a pas une force baissière très impressionnante pour l'instant. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ça nous fait plaisir. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.